Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, nous allons parler sur le baïma. Quelqu'un qui baille. En arabe, on appelle ça at-tathaoub. Il fait... Voilà. On peut se comprendre, non? Donc, quelqu'un... qui baille, c'est mauvais pour la personne. C'est-à-dire, c'est une mauvaise information pour la personne. Soit la personne, il va faire des mauvais actes, ou soit, c'est-à-dire, il sera dominé par le Satan. Quelqu'un qui voit l'entrée de bailler, il sera dominé par le Satan. Soit il va faire, Satan va le guider pour faire des mauvais actes, ou soit Satan va le conduire pour laisser les obligations de ce que Dieu a recommandé, telles que la prière, le jeûne, l'acquittement des zakats, le pèlerinage. Le Satan va les décourager de faire les airs que Dieu l'a ordonné. Donc voici un peu bref sur le rêve de Baïma. Je remercie tout le monde. Voici mon numéro de WhatsApp et qu'on peut m'appeler dessus pour demander l'explication des rêves. Numéro, c'est 05, code indicatif 200 plus 225 01 51 67 67 encore 03 à la fin ou plus 225 05 05 encore et 36 64 19 à la fin. Je vous remercie.